Ok gens, c'est Drac Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui une petite vidéo sur Cave Mécanique 2021, donc un petit jeu sur la création, la réparation des véhicules. Donc ça fait un moment qu'il est sorti. Bon, normalement là vous avez un diapo. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être en arrière-plan Car Mécanique Simulation. Donc de toute façon je vais couper le diapo. Donc là normalement tout est coupé. Donc on va faire un peu de Car Mécanique. Alors avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai retéléchargé OBS. Parce que vu que voilà, OBS est pas mal. Là je tourne avec mon ordi. J'ai envie de tester la qualité de la chose. Donc on va tester ça. Et pour les prochaines vidéos, on va venir sur un jeu qui est sorti, qui n'est pas en français. C'est Pokémon Infinite Fusion. Je voudrais parler un peu de ce jeu. Alors dans une prochaine vidéo bien sûr. Et on verra par la suite. Donc c'est parti pour le jeu. Donc on se connecte bien sûr. Il s'est pas connecté à mon compte. Donc je tourne cette vidéo. Il est 10h. Je sais pas si ça va marcher correctement parce que normalement c'est pour recommencer les streams, parce que j'ai envie de reprendre les streams. Donc on verra. On verra bien comment ça se déroule, comment je gère un peu tout ça, et puis voilà. Ouais. Donc, Car Mécanique, pour ceux qui connaissent pas ou quoi que ce soit, donc le jeu est sorti en 2021, c'est marqué en gros. Vous réparez des véhicules, vous achetez des pièces et puis tout ça. Donc bon, moi j'ai déjà commencé un peu, je suis niveau 2. En mode facile bien sûr, parce qu'en mode difficile, mode normal, j'avais déjà testé et je me mêle même les pinceaux en mode facile, parce que bon, quand on n'a pas l'habitude de réparer des véhicules ou des trucs comme ça, c'est très compliqué. Donc voilà. Donc voilà, donc on va tester ça ensemble. Et puis pour la prochaine vidéo, je ferai du Pokémon Infinite Fusion. Je vous mets une petite image au-dessus là de Infinite Fusion pour ceux qui ne connaissent pas, qui est télécharge gratuitement, qui est un WinRAR pour ceux qui ne connaissent pas. De toute façon, on en parlera plus en détail le jour du jeu. Donc, petit café pour ceux qui viennent de se lever, hein, bien sûr. Donc voilà, donc on est ici, donc on va demander un ordre de mission, donc au téléphone, et là j'ai soit une Griffon Tyro de 2015 ou une Acton Racton de 2006. Donc là il y a la liste. Alors pour le moment la liste n'est pas marquée. Là par exemple, là il y a le timer, donc voilà, réparation avec des pièces état minimum 60%. Donc on va déjà faire ça, et puis si on a le temps on fera la plus grosse. Donc normalement une fois qu'on a terminé les voitures avec timer, normalement il reste plus qu'à faire la grosse voiture. Donc c'est pour vous améliorer bien sûr, parce qu'il y a des trucs où bien sûr faut changer l'huile, faut machiner, donc il y a des fois où je n'ai pas besoin mettre la voiture sur le left pal. Donc là on va aller voir donc les informations de la voiture, donc la puissance, les machins. Donc c'est pas trop ça qui nous intéresse, c'est à partir de là qui nous indique donc disque de frein ventilisé. Il en faut deux, entière frein, plaquette de frein et plaquette de frein, donc il en faut deux aussi.
Donc pour le moment, on va la mettre sur plateau. Donc on fait ici et ici. Alors au début, bon, comme dirait l'autre, je pense qu'on peut améliorer le garage. Parce que comme vous le voyez, c'est un peu le bordel, hein, comme vous le voyez. Niveau 2. Donc normalement, si vous êtes dans le garage, vous pouvez directement utiliser le téléphone. Vous avez l'ordinateur pour acheter des pièces pour les voitures. Vous avez le vidangeur. Nous avons la boîte à outils. Donc ça, c'est pour s'améliorer. Là, le kit de nettoyage. Donc si par exemple il y a de la poussière ou quoi que ce soit, si vous voulez nettoyer la voiture, vous pouvez nettoyer la voiture. Ça, c'est sous demande de quand c'est marqué sur la liste des tâches. Vous pouvez avoir aussi à changer les pneus. Donc là, vous avez le démon de pneus, vous avez l'équilibreuse de roue. Donc quand vous changez le pneu, il faut obligatoirement l'équilibrer. Et là, le petit pont qui, moi, j'aime bien la lever un peu. Donc là, chaque machin est différent. Donc normalement, vu que normalement on n'a pas besoin de disque de frein, donc vous pouvez marquer, hein, avec les étoiles. Alors bien sûr, quand c'est les trucs d'huile ou quoi que ce soit, normalement quand vous allez sur le capot, vous avez directement les trucs. Donc, par exemple, un réservoir de lave-glace, nous avons le Master Cave et le réservoir de refroidissement, et vous avez les radiateurs. Donc des fois il faut remplir les radiateurs, donc c'est simple sans être simple, parce que bon, des fois il faut bien regarder ou quoi que ce soit. Donc là, nous avons, on va déjà faire les trois là, parce que donc, comme vous le voyez, on le voit pas là, mais si on va sur le truc, on voit en bleu. Donc là par exemple, on voit en bleu qui est ce qu'il faut enlever, et l'autre truc, il est derrière. Donc là, on va déboulonner la roue. Alors bien sûr, comme vous le voyez, quand c'est rouillé, faut mettre du dégrippant. Donc là, il faut juste disque de frein, vent tiré. Donc là, je fais ajouter à la liste des achats. Donc il m'en faudra deux. Donc, on va... Oh. On va déboulonner le premier et on va aller acheter... Alors bon, là ça se fait automatiquement, hein. C'est plutôt sympa, il y a juste à appuyer sur le bouton. Là, à partir des trucs, donc vous avez plusieurs choses, hein. Bien sûr, vous avez des trucs de carrosserie, de véhicules, de pneus, de jantes, hein, parce que des fois il faut changer les jantes. Et là, quand vous arrivez ici, donc là c'est pas ça, c'est ça. Là par exemple, je me suis trompé, c'est pas ici, donc ça doit être là. Alors voilà, donc là, disque frein vent tiré, donc il m'en faut deux, donc j'en prends deux 200. Donc c'est assez simple. À partir de là, vous venez là, on va essayer de mettre le truc un minimum. Là, vous allez sur la roue pour remonter le petit disque. Voilà, disque machin. Donc celui que j'ai enlevé faisait 20. Et là, on est à du 100%. Donc c'est plutôt... Voilà. On remet tout ce qu'il y a à remettre. Mais je crois bien que je suis en train de me poser la question. En train de me dire que je suis en train de remettre un truc avec un niveau
Là, comme vous le voyez, ça s'est effacé, donc je pourrais presque l'enlever. Mais pas de frein. Heureusement que j'ai bien regardé. Donc là, il m'en faudra deux. Donc je vais l'enlever, ça sert à rien que je le remette. Donc on va aller directement lui chercher. Hop, on en prend deux. Mince. Ah mais je suis con. Voilà, c'est ce qui arrive quand on oublie. J'oublie à chaque fois qu'il faut machiner le truc avant. Voilà. Donc là on met le deuxième. Là on remet ceci. Voilà. Et on remet la roue. Voilà, donc là c'est bon. Là, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Là, nous avons la plaque. On enlève les boulons. Moi je vous le conseille, hein, pour ceux qui sont sur Xbox, le jeu est sympa. Moi je le trouve plutôt sympathique. Pour ceux qui connaissent pas tout ce qui est mécanique et puis tout ça, c'est vrai que c'est très embarrassant. Parce que moi qui connais pas ce système là, et c'est vrai que bah, vu que mon frère travaille, mon frère et mon père, mon père travaillait dans tout ce qui était... mécanique, voiture et puis tout ça, eh ben, c'est vrai que quand on arrive sur un jeu comme ça et qui clairement ça donne envie quoi. Donc là normalement liste des tâches, comme vous le voyez, ça je peux les enlever comme ça, je m'emmêle pas les pinceaux. C'est vrai que pour ceux qui connaissent pas ou quoi que ce soit, moi c'est vrai que ben, c'est vrai que c'est un aide plus quand même pour le petit système de bleu. Alors je sais pas si en normal et en difficile c'est marqué, mais c'est vrai que ben en facile quand on connaît pas le truc, et eh ben c'est vrai que c'est plutôt plutôt bien. Donc là on remet le plaquet. Donc là attendez parce que ouais, il me l'a enlevé. Okay. On met la petite roue. Oh, j'espère que c'est pas trop fort parce que c'est vrai que j'ai pas réglé le son. Je me suis mis directement sur le jeu. Donc là c'est quoi qu'il faut que je change? Disque de frein, ok, et étreinte frein. Étreinte. Ah c'est ça l'étreinte. Donc
ça. On rajoute ça. On va acheter ce qu'il y a à acheter. Alors bien sûr, faut faire attention, hein, parce que là, bon, là, il n'y a pas à changer les roues. Mais par exemple, si vous avez des roues, par exemple, il y a certaines voitures où clairement, bah, moi, je me suis retrouvé comme un con hier, parce que en jouant au système du jeu, ben, je me suis dit tiens, on va tester le jeu, et c'est vrai que ben, quand t'as pas l'habitude, tu te dis bon. Tu fais ci, tu fais ça, machin. Et le truc, c'est que je me suis retrouvé à avoir pas la bonne taille des roues. Donc il faut vraiment regarder. Il y a la dimension des roues et tout ça au début. Donc faut vraiment faire attention à ce qu'on fait sur ce jeu-là. Donc là, c'est bon. Attendez, on va vider un peu. Hop. Donc là, j'ai une petite caisse. Quand vous videz des trucs comme ça, vous avez le droit à des caisses. Donc avec des cartes. Et vous avez. Donc voilà, j'ai encore eu un bonus. Et soit vous avez de l'argent. Carte D. Garage. D'accord. C'était. On va rouvrir une carte. Ok. Vous pouvez avoir aussi de l'argent. De l'argent. Des bonus. Donc d'XP. Et. Encore une caisse. Bonus de venge. Et des RP. Donc des CR. Donc l'argent. Donc là, voyons voir un peu ce que... Donc là, tout est fait. Donc comme vous le voyez, on peut supprimer. Et à partir de là, bah, vous pouvez directement appuyer sur A. Et c'est terminé. Voilà. Donc là, bah là, soit vous avez la roue. Ouais. Donc là vous avez une map comme vous le voyez. Donc bon bah j'ai débloqué des points de grange, vous direz l'autre. Donc des nouvelles zones. Tout à l'heure je sais pas. Concessionnaire. Anneau de vitesse. Donc vous avez des trucs là. Et là, donc. Alors, les gens, désolé pour cette petite entrevue. Normalement, la vidéo aurait dû faire beaucoup plus long. Sauf que quand j'ai fait le montage, ben, j'ai remarqué que ça buguait. Les dernières minutes buguaient. Donc, je n'ai pas voulu vous mettre ce qui était en trop. Donc, pour mécanique simulator. Ça sera moins long, donc il y aura juste cette petite introduction à la fin où clairement, ben voilà. Prochaine vidéo, donc normalement qui s'affichera juste de ce côté, on va aller sur du Pokémon Fusion. Pokémon Fusion, Infinite Fusion, qui s'affichera là. Je vous mettrai en même temps mon équipe si je peux, ou sinon je vous montrerai ça en vidéo pendant la vidéo. Alors je pense qu'elle sortira la semaine prochaine tant que je me remette un peu dans le bain des créations et tout ça. Cette vidéo, je sais pas quand elle sortira, donc voilà. Je vous dis à la prochaine les gens, c'est Drake Survie et peace, et encore merci encore à ceux qui regarderont la vidéo.